Bonjour, Frère Maxime, comment nous? C'est GFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui entre la canoë. Bonjour, nous. Jodi, je vais présenter pour nous un petit ragoût de griot et de la bapin. Lorsque je dis ragoût de griot et de la bapin, je vais faire une façon pour nous pour le présenter comme si c'était un ragoût. Pour moi, commencer, je vais faire nous manger griot en l'autre façon. Mais viens cochon là, je vais gagner 1 kg. Je vais mettre un quart de tasse de vinaigre blanc. Je vais mettre quelques bons parfums là-dedans. Persil, thym, oignon et céleri. Je vais mettre deux belles cuillères d'épices créoles. Je vais mettre un peu de sel là-dedans. Et je vais mettre poivre. Une fois que je mets tous ces ingrédients, qu'on a embrassé. Je souhaite ne pas penser qu'il est bon de le faire juste comme ça. Hein. C'est très bon. Hein. Ça goûte la viande. Il n'y a pas goûté un peu d'ingrédients, goûté viande. Très, très bon. Viande couche ça qu'on a là, moi fait là. Moi bien trempé là, c'est avec moi le fait griot. Qu'on a une fois qu'il est bien trempé, moi mettre couverture sous lui. Je vais mettre l'huile en rien. Je vais quitter le reposer pendant au moins une heure de temps. Pour celle-là, tout épicieux bien entre là-dedans. Après une heure de temps comme ça, je vais brasser. Il sent bon. Vinaigre là, il sent bon. Qu'on a là, je vais mettre couverture encore. Qu'on a là, je vais couvrir lui. Je vais partir. Qu'on a commencé cuisson tranquillement. Pas beaucoup. Hein. Mettez fois à 5. Qu'on a fait viande en cuite. Pendant que viande à cuite, la bapin, je vais en cuite déjà. Je vais refroidir. Qu'on a calé la bapin. Je vais préparer ingrédients. Je vais gagner une sauce aussi. Je vais mettre là-dedans. Qui c'est une sauce de barbecue que je vais faire. Même venir avec viande là, nous regardez là, c'est parfait là. Ok, cuisson excellent. Moi, je vais pointer tout quitter dans le seul coup. C'est parfait qu'on a fait mes fois. Qu'on a mal décanté viande là, et puis je vais venir sur nous avec vous. Une fois que je vais retirer viande pour aller en chaudière, qu'on a fait griot. Regardez pour nous là, moi c'est cool de temps en temps pour que quelqu'un ait une couleur uniforme. C'est bien doré, c'est pas court, c'est pas brûlé, c'est coloré. Tu vois, tout ça comme ça là, c'est du gras. C'est ça nous les coins. On a la moindre prendre bien coloré. Qu'on a là, nous allons faire une sorte de ragoût avec la bapin. Pas oublier de partager la vidéo, ça m'a aimé aller loin, très loin. Parce que là, on va le faire nous manger griot d'une autre façon que nous pas habitués à manger. Souvent, nous mangeons comme ça. Avec piclis, c'est tout. Qu'on a là, on va évolutionner griot à vous. Mais la bapin là, moi, je cuite déjà. Je cuite dans de l'eau, je froid. Ce n'est pas gris, je grille, je froid. Même mettre un petit beurre dans le poil, moi là. Une fois que je fais le beurre bien fond, je dépose la bapin là-dedans. Une fois que la bapin là-dedans, qu'on a mis un petit l'ail. Haché là-dedans. Voilà. Moi, casse la bapin un petit peu pour lui pas être trop entier. Si toutefois nous-mêmes nous avons vrai la bapin pays noir qu'on a nous-mêmes là comme ça, on a coupé en deux. Pendant que là il a absorbé là-dedans, moi mets ton petit oignon rouge là-dedans. Moi mets ton petit poivre. Une fois que je senti l'oignon bien sué, là je bien dit sué. Quand je suis venu avec un petit huile d'olive, je dépose sous beurre là, là. Et voilà. Parce que si beurre ça, je te mette pour l'ail là avec la bapin, c'est pour la bapin te prendre un petit goût. Okay? Ça veut dire qu'on a là la bapin vient avec l'autre goût. Ça, c'est la bonne cuisine 444. Ça. C'est un petit échalote verte là. Moi mettre un petit crasse là-dedans tout petit. Tout petit. Nous voir pour qui ça me pas mettre en pile. Et maintenant moi mettre griot là-dedans. Quantité griot vous voulez bailler mon nom. Mettons vous voulez bailler mon nom 5 6 7 8 petits morceaux, mettez 5 6 7 8 petits morceaux. Waouh.
Ça sent vraiment bon là. Ça c'est la bonne cuisine à faire là, hein. Qu'on y a là, ça c'est un petit pot piment. Un petit pot piment vert que moi t'ai coupé sans granule là-dedans. Moi mettez là-dedans. Pas oublier, c'est une sorte de petit ragoût de griot ma femme, ça m'avait nous là avec la bapin. Juste comme ça, image ça va regarder là ou envie manger. Moi mettez un petit sel là-dedans. Tout là c'est beau. Qu'on y a là, mettez sauce ça, c'est une sauce barbecue que je fais déjà, ça va le faire. Trois semaines que je fais ensemble avec nous, je mettez dans une bouteille qu'on a là besoin, je sorti, je mettez un petit sauce barbecue là-dedans. Je te fais poulet barbecue pour nous. Si nous ne savons pas comment vous nous faire sauce barbecue, juste tapez JFL, sauce barbecue, et puis vidéo à monter devant. Na tout de suite, on diminue de faire. On est à 7.5 pour nous faire tout ça. Qu'on a là, on met à 4,5. Lorsque je te dis, on sort de petit ragoût. T'habilles et sauce salée, même pour qu'on il était très bon. Plus, moi fais tout ce que je fais là, je fais encore excellent. À la toute fin, je mets un petit poivron en julienne là-dedans. Ok, on va mettre trois couleurs de poivron comme vous voulez. Mais moi, je ne vais pas mettre trois couleurs de poivron. Je mets deux couleurs de poivron. Quand il y a nous, je vais mettre une petite échalote avec ça. Je vais mettre un petit crasse tout petit. Je vais mettre un petit crasse juste pour le cuire avec. Quand il y a moins, fait mes fous moins. Quand il y a moins, mettre échalote verte là-dedans. Et voilà. Wow, ça doit être bon, man. Qu'on a là, comme on te dit, c'est une sorte de petit ragoulier. On va gagner le choix, faut me présenter à cette là pour nous. C'est déjà fait là, qu'on a mal présenté pour nous, parce que moi, je voulais monter nous manger griot d'une autre façon. Pas oublier de partager la vidéo à moi. Mais là, c'est excellent, hein? Qu'on a monté juste pour mal goûter. Pas oublier, hein? C'est un petit ragoût de griot avec la bapin. C'est très bon, c'est excellent. C'est goûté, c'est vraiment bon là. C'est une autre façon nous qu'à manger ni griot. C'est une autre façon nous qu'à présenter ni la bapin. Ça, c'est bon cuisine créole, ma plagina. Colette nous là. N'a pas de George. On goûte ça. C'est très important. Pour ne pas faire griot à boucané noir là. Parce que là, nous pouvons saisir avec toutes les légumes, avec petite sauce, nous pouvons faire. Nous pas une sauce barbecue, nous pas une sauce brune aussi. Hein? La bonne avec tout. Moi, vraiment fier de cuisine créole noire. Hein? Si vraiment vous êtes fier, même j'avais, essayez de partager à toutes les amis le maximum de personnes possible pour moi. C'était GFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Merci, au revoir.